Hey, quoi de neuf tout le monde et bienvenue sur Tuto Dessin. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner une fille licorne kawaii. On commence tout d'abord par faire un petit cercle. Puis, on fait la bouche juste en dessous. On fait deux petits points à chaque extrémité de la bouche. On replace un autre cercle sur la droite. Puis on va faire les cils. On va faire un trait arrondi en bas de chaque œil. Puis un cercle. Et un deuxième juste en dessous. On colorie en noir. On fait un trait arrondi juste au-dessus de l'œil pour faire un sourcil. On continue en faisant le bas du visage. On fait un premier trait qui est légèrement arrondi, puis on retourne dans l'autre sens pour faire le bas du menton. Et on remonte jusqu'au niveau de l'œil droit. Puis pour faire les cheveux, on va se placer juste au-dessus de l'œil et redescendre jusqu'au niveau du trait précédent. On va faire une première mèche en descendant au-dessus de l'œil gauche. Puis on va remonter jusqu'à ce niveau. Et faire deux traits sur le côté. On va poursuivre ce trait-ci juste au-dessus de la mèche. En faisant un trait arrondi. On continue en faisant le serre-tête juste à droite. On va placer les oreilles. On fait deux petits traits à l'intérieur. Ensuite, on va faire des marguerites qui sont positionnées sur le serre-tête licorne. On commence par le cœur de la marguerite.
puis on continue avec les pétales. Ensuite, on va doubler le trait pour faire le serre-tête. Un à droite, puis un à gauche. On va maintenant faire la corne en faisant un triangle. Puis deux traits arrondis à l'intérieur. On continue avec les oreilles de la licorne. On monte en arc jusqu'à la pointe de l'oreille, puis on redescend. Et on reprend la même chose pour l'oreille gauche. On fait la même forme à l'intérieur de l'oreille. Ensuite, on va poursuivre avec le cou. On fait deux petits traits droits. Puis, on recourbe légèrement. Et on continue tout droit en faisant deux traits obliques. Puis on dessine le col. On continue en faisant un trait vertical. À droite puis à gauche. On va se situer au niveau de l'épaule et dessiner un petit trait qui remonte comme ceci. Et faire trois bosses. On va ensuite faire la ceinture de la robe. Puis deux petits traits verticaux. Et on continue en terminant la ceinture. On fait ensuite de petits traits qui partent de la ceinture pour descendre vers le bas. Ensuite, on part du bord de la ceinture et on descend jusque là. Puis on reprend à partir du côté droit,
On redescend. Comme ceci. On va maintenant faire le bas de la robe. On fait quatre petites vagues. Puis on continue en faisant les jambes. On se place au centre, on se décale légèrement à gauche. Et on fait un trait droit qui descend légèrement sur le côté. On se place légèrement décalé du centre. Et on descend en oblique. Puis pour terminer la jambe droite, on se place juste ici en faisant un trait droit. Et pour faire la jambe gauche, on fait de même. On continue avec le pied. On repart en faisant un trait droit qui va sur la droite. Puis on redescend. Et on remonte jusqu'au niveau de la cheville. Puis on dessine un trait arrondi pour faire la chaussure. On fait la même chose pour le pied droit. On descend tout droit, puis on arrondit. On fait un tout petit trait droit. Et ensuite, on va remonter jusqu'au niveau de la cheville. Ensuite, on dessine un trait arqué pour délimiter la chaussure. On va maintenant poursuivre en faisant le bras gauche. On repart au niveau de l'épaule. On fait un trait droit vertical. Puis un autre trait droit qui longe la robe. Et on redescend en courbant le trait. Pour le bras droit, on refait un trait qui descend tout droit.
On se maintient à côté de la robe en descendant tout droit. Et on arrondit le bout du trait qui vient toucher la robe. On va maintenant dessiner les cheveux en partant de l'oreille de la licorne. On fait un trait qui me descend comme ceci. Puis on va faire onduler les cheveux et s'arrêter au niveau de la main. On repart au niveau de l'oreille droite de la licorne, on descend et on fait plusieurs petites vagues jusqu'à terminer le trait au niveau de la main. On vient se replacer au niveau supérieur de l'oreille gauche et faire un petit trait entre l'oreille gauche et la corne de la licorne. Puis de même pour l'oreille droite et la corne. On vient maintenant dessiner le bout du sourcil gauche. Puis on va refaire plusieurs petits traits qui sont situés au niveau supérieur de la ceinture et qui partent vers le haut. On passe maintenant au coloriage. Et voilà, ce tutoriel de fille licorne kawaii est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Je poste une vidéo par jour. Merci d'avoir regardé. C'était Tuto Dessin. À bientôt. Ciao !